C'était une fois, dans un couloir sombre, un petit enfant. Ce petit enfant, à l'époque, avait un imper jaune. Mais maintenant... Est-ce qu'on est bien en colonie de vacances? Regardez-moi ça, j'ai plein de nouveaux amis à me faire. Comment ça, c'est pas des amis? Oui, c'est clairement pas des amis. Bienvenue dans cette quatrième session dans Little Nightmares 2, où on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Mais vraiment, quoi. La preuve. Ah, je l'avais dit, hein, je le fais toujours trop tôt celui-là. Je vois dans le chat remboursé ou des sifflets. Hop. Pas un seul GG, vraiment. Vous êtes vaches, les gars. J'y mets tout mon cœur pourtant. Et je pense que je vais fail au démarrage là, tellement je suis énervé du coup. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens! Alors, je vais faire mon truc que je voulais faire là depuis tout à l'heure. Parce que je suis sûr que ça marche. C'est fait pour. Alors, se crocher au milieu, pourquoi je peux pas le choper là? Une fois que je l'aurais chopé, ça ferait quoi? J'en sais rien, ça tire une bobinette et je chora. Vous connaissez le dicton, enfin. Ça marche pas, ok. M'accrocher là. Oui mais non. Oui mais non. Il doit y avoir un passage là-haut, c'est obligé là. Moi je le sens bien ça. On peut pas y pousser. Je vais arriver à me coincer dans un coin inédit, je pense. Est-ce que je pourrais pas tirer tout le meuble? Ce serait bien. Mais il m'a l'air bien coincé. Il est carrément bien coincé. Pourquoi on me laisserait l'option de grimper ici si c'est pour rien faire? Bonne question. Pas pigé comment on passe là. Oh, j'aime pas être en boulet mode. Personne n'aime être en boulet mode anyway. Oh le vice! Oh le vice! Oh! Je m'étouffe. La solution était à mes pieds. On va passer devant ces Mongoliens très perturbés. En jouant à la boutique et Nene aussi. Ne 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 ne
Non, 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 non. Non, non, non. Je prendrais bien ce plateau, mine de rien. Ah, mais si je prends le plateau, j'enlève mon masque. Je comprends mieux pourquoi elle était furax l'instit. Ils sont complètement à la masse. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que... Salut, faites pas gaffe à moi, je passe, c'est tout. Joli masque, ouais. T'es pas sympa, toi. On va le laisser faire sa connerie, oui. Et on va vite se casser. Vous voyez? Oh là là! Des enfants partout. Moi, je suis vraiment terrorisé. Oh, quelle horreur. Ah, c'est vraiment un jeu d'horreur. Je... Ah. Ah. Ah, ça y est, on a trouvé mon point faible. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous faire, l'autre là-haut? Ça va se vautrer, c'est obligé. Pourquoi ça va se vautrer quand je passe dessous? C'est une autre question, ça. Ça... Oh, me pousse pas, toi. Je boude, je boude. Il me regarde méchant en plus, lui. Comment on se barre ici? C'est insupportable. Faut que je respire, les amis. Ah ouais, non, mais trop d'enfants, là. Ne faites plus jamais ça, les gars. Des enfants. Oh! Faut que je m'en remette. Faut que je pense à un truc bien, un truc sympa, un Benoît Poulvorde. Oui, monsieur Manhattan. Oui, tu vois, Nicolas, il ne faut jamais, au grand jamais. Ce flacon va me servir illico, je crois. Alors, désolé pour les petits fails, mais je découvre, hein, réellement, il y a nos bullshit. Contrairement à des gens qui improvisent de manière très répétée, que je ne nommerai pas. Et là, tout le monde attend que je lâche un nom. Mais vous le connaissez très bien et je l'aime beaucoup, même s'il est vieux lui aussi. Ah putain. Oui, bah mon idée du. Ah bah c'est foutu. Ah, je me suis coupé bien plus. Ma mère m'avait dit de pas marcher pieds nus, de mettre des pantoufles. Nom de Dieu. Comment on monte là-haut? Ça s'ouvre? Non, ça s'accroche. Oui. Quel périple. Non, non, laisse le truc. Pose-le comme il faut, stop. Là. T'as pas très envie, toi. Quand on dit un truc, t'écoutes pas trop. T'es pas, c'est pas ton genre, quoi. C'est bien mon avatar, je reconnais. Quoi? Non, rien. Fallait que j'attrape le nœud coulant au milieu. C'était pas du tout ce que je voulais faire dans ma manip, mais justement, j'ai pu voir ce truc. Arrête de vouloir prendre tous les objets. Chut, pas bouger toi. Alors, faut que j'attrape le nœud coulant.
faut que je sois dans le bon axe. Et donc, j'ai encore reparlé de ce présentateur, streamer. Ouais, non. On a dit pas de nom, pas de marque. Donc, idéalement, faut que je saute sur ce nœud cucu, ce nœud coucou, ce nœud croulant. Je suis le vent. Oui, les gens qui ont regardé mes épisodes HZD savent de quoi je parle. Je vous aurais bien fait marrer quand même avec ce truc-là, mine de rien. Alors, pour les gens qui n'ont pas regardé, c'est un épisode de HZD. Ouh. En ASMR. Fallait avoir envie. Pourquoi j'utiliserais ce truc, ce cerveau-là? Ce cerveau-là? Parce que... Je suis curieux de voir en bas ce qu'il y a, comme bouillasse. Tu sautes comme il faut, bonhomme. Il est dans ton axe, hein, normalement. C'est supposé, hein, parce que je vois pas où je pourrais passer ailleurs. Bobinette, Chora, petit patte. Petit patte, t'as l'air con. Il y a un peu de ça, hein, je crois. Je vois absolument pas ce qui a été actionné. Et j'essaie de me balancer désespérément, mais regardez-moi ça. J'ai une inertie négligeable. Je suis tristouillette de... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai activé? Je peux pas retourner de l'autre côté parce que j'ai cassé ma tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il est où le cerveau? Ah, j'ai encore marché dans du verre, ça pique. Attendez voir ce bouton là qui me nargue, c'est incroyable. Mieux. Mieux. Je vais le refaire, mais c'est moche, ça sert à rien ce que je fais pour l'instant. Faut que je me retartine tout le parcours. C'est un peu idiot, il y a quelque chose que j'ai fait et que je n'ai pas vu et qui était sous mon nez. Et tiens, dégage, toi, tu m'énerves. Oh là 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 là. Alors, du coup, je me suis moqué de ce présentateur que je ne nomme pas, hein, toujours. Et je suis persuadé que ce passage, il a passé mieux et plus vite que moi. Donc pareil. Bien à toi, Marcus. Allez, on y va. Tout le monde savait que Marcus répète ses jeux avant de les montrer en faisant « Oh, c'est la première fois que j'y joue, enfin, c'est connu. » Et je vous rassure, il n'est pas seul. 90% des gens qui font des streams et qui vous disent « Oh, je découvre ce jeu. » Vous avez pas vu les deux ordres répètes avant. Vous voulez pas les voir anyway. Tandis que Monsieur K, lui, ne bullshit jamais. Eh oui. Et je le dis même quand j'ai essayé brièvement un jeu. Même 2 minutes, ça compte. Buddy, t'évites de te planter. T'étais en train de me saouler là. Tu vois le plaisir? Bah t'es le contraire. Putain! Bravo, joli ninja! Allez, casse-toi la gueule, tu m'as énervé. Le crochet, qu'on soit débarrassé, essaye de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai pas vu le mécanisme s'activer, c'est dommage. Qu'est-ce que ça bouge? Je comprends vraiment pas, les amis. Hein. Je dois être très bête. Alors, ça, c'est plus qu'une hypothèse. Ah, mais il est là, le cerveau. Je pourrais le ramener, le cerveau, au mioche. Il serait content. Ça les changerait un peu. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Bah, il sert bien à quelque chose, ce truc. Les enfants, regardez ce que je vais vous amener. Alors, je peux prendre le cerveau, mais je peux pas m'en servir pour grand-chose pour l'instant. Et je peux plus retourner dans la salle à côté avec ce cerveau dans les mains. Donc, il y a une chose. Et en fait, elle était devant moi, la chose, c'est... On va faire du cerveau-ball.
Yatta. Oh la vache, Monsieur K, tu n'es pas très très vif dans tes réflexions. Papa, je me mets où moi? Pauvre grenouille. Idéalement, il faudrait que j'aille sous le truc au milieu pendant qu'elle est là. Que je reste là-bas et quand elle va revenir, que j'aille de l'autre côté. Mais bon, je vais regarder quand même tout son petit cirque là. Le bruit super rassurant. Et moi, je la suis parce que je suis trop malin. Passer derrière, non. Passer devant, non plus. Hein. Mais ai-je le choix? Avec son cou à rallonge, ça va être terrible. Cette petite ouverture va être fatale. Prépare-toi à courir. Non, ça va. Oh, Mazette, en fait, faut que je trouve un moyen de monter sur les tables. Et... J'ai pas envie. Accroche-toi. Ouh purée. Maintenant, c'est pas mal. Je sais qu'il faut que je monte ici pour pouvoir accéder à ce qui se trouve de l'autre côté. Le faire discrètement en passant devant elle. Je pense qu'on va attendre qu'elle ait fini sa dissection hein, parce que alors je pourrais poser un truc, mais elle va être furax pareil. Ok, on a l'info. Une fois qu'elle se retourne, je trace, je cours pour ma vie. Je pense à Iron Maiden très très fort. Oui, run to the hill, le retour. Run for your life, la vengeance. Ta base, Octave, ta base. Non, pas tout de suite, on va faire durer. Hein. Oh non! Fuck yeah. Non! Espèce de vieille topasse. Vous voulez savoir si Monsieur K va passer cette épreuve absolument... terrible? Eh bien, il faudra regarder un nouvel épisode! Je vous dis à tout bientôt. Regardez, une playlist là, pouf, une autre là, pouf, le bouton d'abo là-haut, oups, et la vie est merveilleuse, ciao. Elle va me gonfler cette vieille, c'est clair, elle va me gonfler.